Le secret d'une mission, d'une bonne mission humanitaire, c'est une préparation logistique. Quand il s'agit d'envoyer un seul groupe sur le terrain, comme c'était le cas pendant 4 ans, ça ne posait pas trop de soucis. Mais là, on envoie quand même presque 500 personnes sur 4 itinéraires, 7 fois par an. Médite avant de partir, prend un bon petit repos du guerrier, du futur guerrier. Jusqu'ici tout va bien, malgré la petite inspection que j'ai faite sur les véhicules, et je vois que le véhicule de mon chef de mission sur Pangalane Sud a 4 pneus lisses. Le risque, il est permanent ici, sur la route, avec des gens qui conduisent un petit peu n'importe comment et un réseau routier plus que vétuste. La médecine qu'on fait ici, l'ambiance d'Armada est absolument extraordinaire et pour moi ce sont des vacances intelligentes. On n'a aucune autre aide, si ce n'est l'aide des confrères qui est très très utile, surtout les confrères malgaches. Qui nous apporte beaucoup, qui nous évite des errements diagnostiques, qui nous aide, il nous guide. Mais la décision finale nous revient, et elle nous revient sans aucune aide technique. Et ça, c'est fabuleux. Phonétiquement, c'est Topin, ça s'écrit Topiana. Donc c'est le village le plus au nord que nous faisons sur cet itinéraire. Nous allons passer la journée en consultation avant de redescendre vers le sud pour faire 2 autres villages. C'est un petit lexique pour essayer de mieux se faire comprendre par les malgaches. Que la communication des fois est un peu compliquée, les interprètes c'est un peu aléatoire, et donc voilà des petites phrases clés quoi. Attention, il va l'accrocher. Je vais déjà faire l'anesthésie de ce côté, après j'irai. Donc à la nuit, je vais t'entendre.
Tu me tiens la petite main, là, Céline. Alors j'arrose. Hein. Je prends mon temps. T'as quel âge? Un an. C'est un beau bébé, en tout cas. C'est un très beau bébé. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? C'est l'âge que quelqu'un l'a retenu, donc... La lâche est tombée sur lui. Il y a quelqu'un qui le regarde, tu peux savoir qu'il va... Ça va piquer, là. Chez l'adulte, on coupe et puis on replie hein, le doigt, mais là, et puis on va faire un garrot comme ça. Hein. Tu crois que c'est bien anesthésié, là? Je suis pas sûre. Et en plus, j'ai des grosses aiguilles. Il fallait le faire. Moi, bravo. Et ça se fait très facilement. Là, c'était un peu éprouvant parce qu'on n'avait pas les bonnes petites aiguilles, tu vois, pour l'anesthésie. On n'avait pas le bon garrot, on n'avait pas le gaz. Mais écoute, ça s'est fait, quoi. Hein. Juste bougez pas. Comme ça, il a sauvé son ongle. L'origine de l'ongle, c'est ici, c'était coupé. Il n'aurait pas eu d'ongle. Hein. Donc là, ce qu'il faut absolument éviter, c'est l'infection. Hein. L'antidouleur. Et on va lui donner des antibiotiques. D'accord. Mais quand c'est sale, il faut le changer. Hein, et bien prendre des antibiotiques pendant une semaine. Médecin aux mains nues, quoi. C'est un retour en arrière, c'est vrai, mais ici, c'est ce qu'on fait. On se positionne, on SAMU, mais tout à fait aléatoire. Hein. On est là, il y a des cas urgents, on les traite en priorité. C'est vrai qu'on peut s'épauler avec les dispensaires, les hôpitaux, on peut envoyer, mais c'est quand même une démarche qui est quand même compliquée, les gens ne sont pas forcément prêts à le faire, donc il faut qu'on travaille comme ça, on n'a pas le choix. Je vais chercher quelque chose. Ça va aller. Un, deux, trois. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est en train de réparer un bateau et le bateau lui tombait dessus. Donc, comme on dit, quelquefois on est en SAMU ambulatoire ici en Brousse. Étant donné qu'on est limité par rapport à ce qu'on peut faire, on fait le maximum. Marare. Et point de vue du bassin, t'as quelque chose là? J'ai écouté ses poumons, il n'y a rien. Enfin, le cœur poumon, il n'y a rien. Il n'a pas d'enfoncement. Pas du tout. Il y a toujours les fourmis ou pas? Non. Mais il a dit qu'il n'arrive pas à boucher le côté. Oui. T'es foutu. Ouais. Ça fait mal depuis là? Là, la moitié. Ouais. Paracétamol et on réévalue un peu là. Ouais. Et on va regarder, on va voir si on doit l'évacuer tout de suite. Mais on est limité par rapport à ce qu'on peut faire. Parce que sinon, si c'était en ville, on aurait déjà fait un examen de radiographie. Et apparemment, pour son cas, on peut dire qu'il a de la chance.
parce qu'il n'y a pas de lésions graves. Donc nous, notre présence ici, ça sert surtout à aider et à faire des échanges entre les médecins et pour donner aussi le coup de main sur lequel, peu importe là où on nous a besoin, on est là pour aider l'équipe, pour renforcer. Il y a toujours quelque chose à noter, il y a toujours quelque chose qui est gravé dans mon disque dur. Donc pour moi, c'est un enrichissement. Et je peux dire, c'est une étude post-universitaire en quelque sorte. Il paraît qu'il y avait problème de plaie au niveau du pied. Donc on va voir de quoi il souffre exactement et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. On ne sait pas trop, mais on va voir. Il est en train de s'échapper. On va essayer. Il va falloir être diplomate. Et... Mais c'est ça. Je pense qu'on va y aller. Il faut surtout y aller mollo-mollo. Puis on ne faut pas forcer non plus. On va pas forcer les choses. Hein. Bonjour monsieur Nana. En fait, lui, il a dit qu'en 2015, il y avait une petite tuméfaction là, hyperchromique, qu'il a coupé lui seul, et après ça s'est surinfecté, ça s'est étendu là. Il fait des réparations des toitures. S'il veut continuer à pêcher, je pense qu'il faut qu'il aille à Tamata. Il faut lui expliquer, là on peut guérir. Quand ce sera là, ce sera plus difficile. Donc il a dit qu'il fait qu'on l'aide, donc on va expliquer. Et nous avons une mission. Nous avons une mission, mais nous avons une mission. Ça, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un docteur qui est un docteur. Il a validé. En plus, heureusement qu'il y a son ami qui a témoigné par rapport à la prise en charge qu'on lui a fait à Tamatav. Lui aussi, il a souffert d'une plaie chronique, je ne m'en souviens plus, mais il a dit que c'est moi qui l'a aidé, soigné à Tamataf. Ben, lui, il est guéri, donc il a encouragé son ami, donc il est d'accord. Mission accomplie, chef. On a reconnu chef. C'est vrai qu'il me montre le pied, je fais la photo. Il y a besoin d'une discussion, chef. Est-ce qu'il a. C'est toi qui vas le recevoir à l'hôpital? Je serai là-bas le 6 novembre. À partir du 6. Tu me dis à moi. Je vais voir avec mes amis chirurgiens qu'est-ce qu'on peut faire. Seulement si on a des antibiotiques. Tu réfléchis et tu diras ça au poste. Oui, oui, oui. Ça fait un point financier. La mission pour moi, en tant que référent d'Armada à Tamatav, ça continue. La mission, ça dure 10 jours ici, mais dans la majorité des cas, il y a toujours des cas à suivre à Tamatav, dans notre hôpital. Je délimite les zones d'attente parce que compte tenu de la situation en Madagascar, on est tenu de faire un interrogatoire avant que les gens viennent en consultation. Donc là, les trois questions obligatoires, c'est ce qui peut nous orienter vers l'épidémie. Mais apparemment, il n'y a pas de problème. Donc c'est fièvre, la toux et le sang dans les crachats. Alors, Mich Taz, Taz ou quel poutine hein? Elle a quel âge, elle a 11 mois, elle fait 5 kilos.
C'est une malnutrition sévère chez une petite fille qui a perdu sa maman. C'est comme un régime qui apporte et protéines et glucides et lipides dans le corps. Elle a été vue sur la mission précédente qui datait d'il y a 6 semaines. Elle avait pris que 100 grammes, ce qui veut dire que tout ce qu'on lui a donné, le lait et la cobaïna, cette gamine ne l'a pas eu. Donc on lui a redonné tout ce qu'il fallait jusqu'à mercredi prochain, même un peu plus. On a peut-être même eu tort de lui en donner plus. Il faut qu'elle revienne la semaine prochaine. Elle habite le village, donc si elle ne vient pas, on ira la chercher. On dit avec la fourchette d'Adam, hein, c'est-à-dire c'est mes doigts à moi. Allez ma chérie. Voilà. Quand tu commences à le faire, d'abord le fait de se sentir certainement utile, hein, c'est peut-être prétentieux, mais bon, c'est comme ça. On découvre les pays différemment, parce qu'on rencontre quand même des populations où il n'y a pas de tourisme ni rien. On rencontre des gens intéressants sur les missions aussi. Enfin, c'est une histoire de rencontre aussi, je pense. Retour, j'envoie à Linda de pizzaiolo, je sais pas comme ça, pas un nom comme ça. Voilà, allez, on va écouter. Respire fort. Et quand il tousse la nuit, est-ce qu'il est essoufflé fait... Non. J'ai fait le diagnostic à l'âge de 1 mois et demi d'une cardiopathie congénitale grave qui a été vue à Tana et envoyée par Médecins du Monde en France pour être opérée vers l'âge de 6 mois environ. Pour la bouche. Grande. Allez. C'est la langue. Voilà. Ah. Allez. Très bien. Parfait. J'ai retrouvé l'association qui l'a opérée et la gardienne qui l'a gardée pendant 2 mois et je lui envoie les photos à la gardienne. À chaque fois que je rentre avec des photos, je lui envoie. Madame Linda. Linda, hein, ça te dit quelque chose, Linda? Pour Linda. On va faire les deux ensemble. Voilà. Attends, on va le regarder là-bas pour voir s'il n'a pas un gros foie et puis pour palper ses fémorales. Hein? Eh bien. Voilà. Il a bien grossi. Il a des petits problèmes de toux la nuit, mais enfin, globalement, il va bien. S'il n'allait pas à Tana et après en France, bah, il serait décédé, hein, en quelques mois, par insuffisance cardiaque. C'est grâce à l'ensemble des gens qui se sont occupés et des gens qui l'ont soutenu. Ça, c'est pour toi. C'est citronnelle. C'est pour les moustiques. On en met une goutte. D'accord. Ah bah quand même une satisfaction, on a l'impression qu'on a fait quelque chose au moins d'utile et puis on voit surtout les résultats parce que souvent on ne voit pas toujours les résultats, on voit les enfants, ils sont malades, on les soigne et puis on n'a plus de nouvelles. Là, d'avoir des nouvelles chaque année quand je viens, ben voilà, c'est une petite fierté. Voilà. Ça fait, on a l'impression, même si c'est une goutte d'eau, d'avoir été une fois utile. Hein. Faire de la médecine différente et collégiale en équipe, ce que je ne fais jamais puisque je suis tout seul dans un cabinet de campagne. Donc pour ça c'est passionnant. L'expérience ici est vraiment passionnante et je reviendrai encore, c'est sûr. Bon. Il n'est pas essoufflé quand il travaille. Si je sais ce qu'on a essoufflé, on a le gâteau.
Il a pris sa ventoline aujourd'hui ou pas? Est-ce qu'il sait s'en servir de la ventoline? Il fait un homme personnage, hein? T'es sûr? Oui. T'es un peu énorme, hein? Il est venu à une mission de manière que de manger. Il fait quoi? Je vais le montrer à la kiné. Il va aller voir la kiné pour qu'il lui montre comment bouger son dos pour ne pas avoir mal. Nu știu care cor feta în rână. De care mă fac întâmplă, deci mă las în aia. C'est vrai que pas loin de son village, il y a un centre de santé. Mais ça, c'est destiné pour les employés de cette société. Comme ce n'est pas destiné pour la population locale, ça pose des problèmes pour eux. Donc lui, il souhaite que ça se pérennise, la mission comme ça. Lui, il remercie vivement notre présence, ce qu'on fait dans son village, parce qu'il est parmi les bénéficiaires, parmi les milliers et milliers de bénéficiaires de cette mission. Donc il souhaite longue vie à l'association Armada et que notre activité, notre mission se pérennise. Donc, il souhaite longue vie à Christian Gros et longue vie à l'association Armada. Il remercie de tout son cœur de ce qu'on fait là. Il sent la présence palpable, le bénéfice palpable de la présence de cette mission parce qu'il est déjà suivi par Armada depuis plus d'un an. Le problème pour lui seulement, c'est que quand Armada est parti, vu qu'il y a la difficulté à Madagascar pour aller se faire soigner, ça lui manque beaucoup la mission comme ça. Faitano ami docteur Vazai, mon cousin Faiti. Elle a dit qu'elle vient ici souvent parce qu'elle est dans le village. Les médicaments que les étrangers amènent ici sont très bons, très jolis et c'est guérissant. Depuis que les étrangers, les Français qui importent les médicaments, elle dit qu'elle était satisfaite, très contente parce que